So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Normalement, il doit être assez jeune. Ariel est censé avoir 16 ans, donc lui il doit. Soit avoir le même âge, soit un peu plus âgé. C'est un jeune homme, quoi. Now, dearie, let's see how beautiful you are when I'm through with you. That contract's no good. Let her go! Excuse me? Now, now. Even the great King Triton can't go round breaking binding contracts. Why, it just wouldn't do, would it? Now, if you'll excuse me, I have some loose ends to tie up. Wait, Ursula. You win. Just promise you'll let my daughter go. But we had a deal, unless, of course, you're offering to take her place. I'm afraid I have no choice. Your Majesty! Pauvre roi Triton. At last. Il est devenu une petite crotte. Who's the mighty ruler of the seas now? You monster! Let him go! Eric! How dare you, pitiful, insignificant human! Hey, that's enough! Ha-ha! No, you won't bow to me! On va bien se marrer! Ça devrait pas trop nous poser de problème, mais on peut crever hein. La fatigue, le rythme qui est pas dans la peau, tout est possible. Ah mais du coup j'entends pas la vraie musique, ouais, ça fait chier, j'ai l'air juste dans mes oreilles. Enfin, je me comprends. Merde. Witch is back to bring her wrath upon the sea. Triton can't be rid of me, not that easily. And like all who dare defy me, he will learn his lesson well. Never toy with a girl like me. You got what you deserved. Flotsam and Jetsam. Royal darling, strong as the tide. Sweet as poopsies, hasten to my side right now. Mommy needs you, stupid fools. Make them cry. I don't think so. Merde, Donald. On a perdu Donald. Ah non. Tout va bien. What a feeble human. No, I can't believe my eyes. Such a stubborn royal who is fighting for his prize without your precious mermaid. Now you're crazy with revenge. I suppose I sympathize. I'm not gonna lose her! Right! We're with you all the way! Flotsam and Jetsam! Royal darling, strong as the tide, sweet as poopsies, hasten to my side right now. Mommy needs you. Smash those stupid fools. Make them rise. Sorry, Mommy. Mommy. Caesar toast.
Ah merde! Ouh, ils ont fait de se recouper la tête, quoi. This is not the end, my dears, I swear I've just begun. It's not over until our summer has won. Bravo! Ouais. Le fantôme de Donald. That's what you think. My sanctuary, my sanctuary. Maintenant c'est Eric qui va devenir le roi des mers. It's not possible. It's over, Ursula. That belongs to me. Ils ont tous de ces noms, les princes, prince Eric, prince Philippe, prince je sais pas quoi. Oh. Beau paysage. Moins beau que la gueule d'Ariel quand même. You can come out now. It's okay. Ariel? Charfou. Eric, this is why I went to Ursula. Philippe, c'est où tu te caches? I would have told you sooner. To think. Eric, goodbye. I had all that time and I didn't work on my swimming. Huh? Well, I guess it's never too late to learn, right? Prince Shadow. Prince Shadow, le héros du goûter. I'd love to. All right. Mystérieux abîme. Mystérieux abîme. Le prince Eric est un homme bien et très courageux en plus. Peut-être, mais il n'est pas humain. Il est humain. Ah bon, tu ne peux pas oublier ça un peu, Dieu. Bonsoir, Zacharia. Tu arrives pour la fin, quasiment. Comment l'a pris ton père, Ariel? Très bien, merci. Je dois filer, à plus tard. Eh, attends. En fait, Sébastien, le roi a dit que le spectacle de cette année est vraiment mort et il espère que vous êtes surpassé. Allons bon. Quel est le problème? Pour y run in service. Hein? Quoi? Mais comment? Ça me semble une idée épatante. T'inquiète, t'inquiète. Tu as besoin de la magie Foudrix pour mener à bien le projet de Sébastien. Oh. Bah à la limite, je peux commencer un monde vite fait, mais je vais pas finir. Juste commencer vite fait. Est-ce que ce sera l'Écolisée de Lola? Ou est-ce que ce sera le monde des trônes? Ou est-ce que ce sera le monde d'Halloween, Agrabah? Quel est votre choix? Sinon j'en prends un au bol, mais quand même. Je sais pas. Je sais pas ce qui m'attirerait plus en fait. Ta-da-da. Étant donné que... il n'y a aucune priorité. Le monde d'Hercule. Pourquoi pas. Halloween.
Ah, tu me tentes. Bon, vu que Sheriff t'avait donné l'autre monde, je vais suivre tout ce que me dit Zakaria. Bon, pas parce que les nouveaux arrivants seront plus privilégiés, mais c'est parce que. Comme ça, chacun a son petit monde, quoi. Alors, allons une town. Oh là là, ce truc. There's nothing wrong with my design. It's flawless. There must be something wrong with the parts those imbeciles brought me. I need to find better assistance. J'avoue, prends-nous, mec, recrute. Il y a clairement moyen. Oh oh. Ah oui. Tellement badante cette scène. Ouais, j'aime bien Halloween aussi. I'm finished with Christmas fantasies, you know that. But you thought you'd hold on to the suit. Piège. What, this? It's just a costume. And Sally worked so very hard making it. Come on, we've got work to do. C'est vrai qu'Hadès est un bon méchant. Un nouveau Jack dans la bande. Tellement la crise au niveau des potions là. Le perce-oreille. Oh. Wherever did you find these? In Halloween Town. You'll be needing them for Christmas, right, Sandy? Of course. But these are just a few of the Christmas presents that were stolen. Stolen? Bah, dis donc. Oh, Sandy, you don't think it was me? Still wearing the outfit, I see. I just thought I'd dress for the occasion. Que Hercule, mais Hadès il est trop stylé, Hadès c'est un personnage, Hadès. Chacun ses goûts, mais Hercule, je vois pas ce qu'il a vraiment de spécial. Alright, Sora, Donald, Goofy, we're off. D'accord, ça t'as plus dans un endroit, what the fuck. Calcul mental inconscient. On se demande bien qui peut foutre la merde dans ce monde. Réponse A, Xehanort. Réponse B, je sais pas moi, Luxor. De réponse C, Mickey. Réponse D, la réponse D. Ou Amstramgram.
Est-ce qu'ils vont nous casser les couilles? Je ne crois pas. Je verrai, on verra. Ah, t'as encore mis un 7, oh mon dieu! Les nombres ont pris ton âme. No. This looks good. No. Boring. This one? No. No. No way. So you three took them. Took what? You stole the presents, didn't you? Méchant. It wasn't us. But it really sounds like. Oh, je préfère avec leurs masques, ils sont plus bizarres. Quoi que cette phase est juste un tout petit peu chiant quand tu fais pas gaffe. Capture les moites logiques. Ah d'accord, ouais, je le disais, les tournades ça fait mal. Oh merde! Ah! C'est tellement des connards, c'est tellement dégueulasse qu'ils récupèrent de la vie. Hein. L'autre elle est où? Là! Tiens, non! Oh non! C'est lequel? Oh, quel connard! Non! Oui! Oui! Ah bah niveau 25 c'est déjà pas mal. Qui a bouffé les cadeaux? Chevalier, parlez! Puisqu'on m'a dit qu'on les a pas volés. Qu'est-ce que vous faites ici alors? Cherchez des pièces pour l'automate. Quel automate? Celui du Dr. Frankenstein, il nous fabrique. Ah non. Celui du Dr. Frankenstein, il fabrique un ami. Un ami qui a pour baguette, j'ai pas compris. C'est vrai que le docteur semble affairé à une nouvelle invention ces temps. Et puis d'abord, les cadeaux de Noël, c'est nul. Il faut même pas peur, à quoi ça sert? Bien dit. On s'ennuie ici, rentrons à Halloween. Maintenant, je vois leur barre de vie aux trois. Ah oui, bah oui, vu que t'as scan maintenant. Ok, je pensais que tu parlais de mon jeu. Alors, oh oh oh, ce petit gars à moi, t'es-tu bien au voleur de cadeaux? Apparemment non. Ça voudrait dire que... Salut! Vous êtes tous là, je suis soulagé. Pourquoi y'a un problème? Les Sans-Cœurs ont de nouveau envahi la place de la guillotine. Voulez-vous prévenir? On s'en charge. Halloween, voilà. Un instant. Et le voleur de cadeaux alors, on laisse courir? En parlant de cadeaux, les Sans-Cœurs s'amusaient avec des paquets. Eh bien voilà, nous tenons nos larrons.